Eh bien bonjour, et voici le tour 22 du PBEM Canary Cage sur Command Modern Operations, dans lequel je joue l'Espagne contre Jazzman qui joue la Ligue nord-africaine islamique. Alors, voici. Ah, je vois une bonne nouvelle, mais j'en vois une mauvaise juste derrière. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment le Raïs Hadj Moubarak. On l'a dégommé à la torpille. Mais on a perdu un arrière de plus. Donc c'est pas bon. Bon, voyons voir de plus près ce qu'il en est. Alors. Ah, le voilà, le Raïs. Donc apparemment, on l'a eu comme prévu. Alors, attends, le Raïs Hadj Moubarak, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sous-marin? Alors attention, 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 attention. Alerte rouge. Si j'ai eu un de ces sous-marins, c'est une excellente nouvelle. Raïs Hadj. Raïs Hadj Moubarak. C'est un sous-marin. Alors soit c'est le... Peu importe. Putain, c'est bon, on l'a eu. L'interception a été parfaitement calculée. C'est nickel. On a eu le sous-marin. Bon, il lui en reste au moins 5. Hein. On a eu ce sous-marin. Classe Kilo. Bon. Kilo classe SSK. De toute façon, je crois qu'il a que ça, il a que des kilos SSK. Bon, bah c'est bon, on l'a bien intercepté, et tout ça avec le Victoria comme prévu. Donc voilà, une excellente nouvelle, mais excellente nouvelle. Voilà. Du coup, le groupe porte-avions. Alors j'ai toujours mon porte-avions qui est là. Qui prête le flanc ici, du côté gauche. Donc attention parce que là on va les sous-marins ils vont se faire dépasser là du coup hein. Donc lui il va se faire dépasser. Lui on va le mettre à profondeur périscopique et on va le laisser à cruise. Et par contre il faut bien le faire aller préparer le terrain là-bas. Et par contre l'arrière, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a eu l'arrière en question. Est-ce que c'est par là? Et comment je vais le retrouver moi? Alors je vais aller voir dans le message log. Unit lost. Race. Damage. Il n'y a pas les miens, il n'y a pas mes pertes à moi, quoi. Ah, damage report. Et non. Je vois pas mes pertes à moi. C'est embêtant ça. Tu vois, unit loss. Je vois le Raïs Hadj. Moubarek. Mais je vois pas mon. Je vois pas ce qu'il est devenu de mon arrière. Alors peut-être que dans la version en texte brut, raw text. Ah, c'est lui ça. C'est lui ça. Sauf que là, je peux pas cliquer pour savoir où c'est. Ah, le voilà. Loss of Esquadrilla 5. C'est ici. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il est venu s'aventurer ici? Ah ouais, c'est avec son. Ouais, je sais, c'est son MiG-29. Et oui, moi qui voulais le dégommer. Ben, ça fait rien, on va l'avoir ce coup-ci. Donc alors là, c'est simple, on a. Là, c'est vengeance. Là. Vengeance absolue. Alors attention, parce que c'est quand même un MiG. Hein. C'est un MiG-29.
480 nœuds, on va l'accélérer un peu. Comme on est au niveau du. Je vais mettre ça plutôt là-bas de ce côté-là. Comment est-ce qu'on est au niveau du carburant? On est super bien. Donc on va accélérer à Military. Et évidemment, on donne l'ordre d'attaquer ce MiG-29. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que lui, sa mission, c'est Air Sup Sud. Alors, Air Sup Sud, on va regarder où sont les limites de Air Sup Sud. Tiens, je vais me mettre en full screen. Air Sup Sud. Ouais, c'est bon, on reste dans notre zone de patrouille là. Dans une zone de patrouille. Lui, il a bien ses ordres d'attaque, il a bien la trajectoire qu'il faut. Ah non, il faut aller plus au sud, hein, si on veut les avoir. Il faut aller plus au sud avec ce groupe-là. Parce que regarde. Ah non, 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 putain, si je regardais pas la bonne ligne, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge foncée. Non, 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 j'avais bien calculé le truc. J'avais bien calculé le truc. Enfin, il faut aller jusqu'à celui-là quand même. Donc, si je prends là par rapport à la ligne rouge, on a encore 50 miles en dessous de la ligne rouge. Donc, il faut bien faire 50 miles de ligne droite là. C'est pile poil distance pour le waypoint 1, 50 miles. Donc, on est à peu près bon. Sachant que lui, il revient plein nord, 340 degrés à 10 nœuds. Mais on va quand même donner un petit peu de mou comme ça, voilà. Bon. Ah ben là, il faut se venger, là. Il faut se venger de ce MiG-29. Hein. Alors, ensuite, Air Sup Est. Alors, rien ne se passe toujours. Hein. Il est 8 h heure locale, il fait jour. Il n'y a plus de problème d'attaque nocturne. Ouais. Est, donc on a oula, on a deux avions en vol. Lui qui est bien au niveau du fuel et son petit copain qui est là qui est en train de refueler. Bon, donc ça devrait faire. Air Sup Sud, donc on va vérifier quand même. Là, les verts, ils n'ont pas décollé. Les rouges, ils sont en train de réarmer. Ils sont pas disponibles. Donc on a lui. Alors, attends, je vais enlever des groupes. Donc on a. Alors, on a lui. Ah voilà, il est là. Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va vers le point de bingo. Alors, ce qui me donne l'occasion d'aller vérifier une chose là. Unis do not RTB. When? Oh là là. C'est dangereux ça. Est-ce qu'il serait pas crashé mon arrière? Pourquoi je suis Unis do not RTB? Air Sup Sud. Hein? Yes. Et là, on va changer, on va mettre 10%, on va même mettre 5%. On verra bien ce que ça donne. Hein. Sub-sud, la doctrine. Yes. Donc là, c'est bon. Et là, on va baisser, mettre à 10% aussi. Ils vont rester plus longtemps en vol comme ça. D'ailleurs, l'autre, c'est pas. On va pas mettre 5%, on va mettre 10%. Donc, pas non plus tenter le diable. 10%, c'est déjà pas beaucoup en marge de sécurité.
SV, R2, ça, tout ça, c'est bon. ECM. Ouais, c'est bon. ECM Delta. ECM Delta, ok. Attends. ECM Delta, il est bon. Hook. Putain, Hook, il est carrément. Ouais, mais on a vu que c'était l'Elint. Et l'Elint, il a un tel range que. D'ailleurs, ce qu'on va faire, plutôt que de devoir le changer à chaque fois, je vais faire Deselect All Reference Points et je vais sélectionner celui de l'Elint. Et je vais les mettre fixe par rapport à. On va mettre au porte-avions. Et je vais même pouvoir le redescendre un peu là. Et comme ça, il va se déplacer en même temps que le porte-avions. Alors, continuons. Ok, l'eau, c'est la mission très importante qui, jusqu'à présent, fonctionne à merveille. Donc là, je ne touche rien. Ah bah oui, alors on a celle-là qui est fondamentale. C'est Patrol Défense Tanker. TK Tanker. Donc on défend cette zone qui est là. Pourquoi? Parce qu'il a 6 Disliman là et il connaît l'importance stratégique de mes tankers. Donc il sait que s'il me dégomme un tanker, voire deux, je suis mal, mais très mal. Un, je suis mal. Deux, je suis très mal. Trois, je suis foutu. Donc je suis étonné qu'il n'ait pas lancé de raid encore pour essayer de les avoir. Mais bon. Donc là, sur cette mission-là, on a ces deux-là qui sont à Moron. On a celui-là. Qui a le plein et qui est en patrouille. Et on a ces deux-là. Donc qui sont pas trop mal. Et qui sont en patrouille. Donc plutôt pas mal. On va vérifier quand même la doctrine ici. Yes. En fait, pour la patrouille sud, c'est moi qui l'avais enlevé. Je l'avais, parce que je sais plus pourquoi. Il y avait une raison de sur le moment de l'enlever, j'ai oublié de le remettre comme un con. Et ça se trouve le. Non, en fait, le arrière, il est tombé. C'est le MiG 20, c'est le MiG 29 qui l'a démoli. C'est pas le manque d'essence. Je pense pas. J'en suis à peu près sûr même. Oui, et c'est ça que je voulais vérifier. Et donc lui, on va le descendre. Allez, on ne sait pas. On va dire. On va descendre à 20%. Allez. On va y aller progressivement. Voilà. Rally Point. Alors ça, il n'y a personne. Donc ça, sur Rally Point, on va le laisser, mais ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Si contrôle, cette mission n'a. Ah si, est-ce qu'elle a encore. Ah oui, elle est encore d'actualité parce que j'ai plus de. Attention. SW1 Alpha et si contrôle. Ouais, si, mais il faut la laisser. Hein. Dedans, on a quoi? On a un Seahawk. Et on a lui, ouais, si, si, il faut bien les laisser comme ça. Et on a la mission tanker. Alors, la mission tanker, il est là. Et on a toujours nos cartes Hercule. Ouh là là, les cartes sont en vol. Comment ça, il y a plus d'un tiers là? Alors lui, il est bingo, mais de chez bingo. Est-ce qu'il a de quoi rentrer à la base? Oui, il a de quoi rentrer à la base, mais est-ce qu'il est, oui, il est RTB bingo. Lui, qui est là, il est en train de délivrer du fuel. Lui, qui est là. Il a le plein, il décolle. Et lui, il est bingo. Et ça veut dire que les cartes sont en l'air. Donc maintenant, je ne sais pas combien de temps il leur faut pour recharger. Mais j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec zéro tanker en l'air. Hein. Normalement, on devrait toujours en avoir. On devrait toujours en avoir au sol. Mais là, il n'y en a plus un seul au sol. Pourtant, j'ai bien la règle des un tiers. Hein. J'ai bien la règle des un tiers qui est là.
On est à 5%. Est-ce que ça fait pas trop? Je suis ramassé à 20. Je vais vérifier la doctrine. Yes. Bon. Ok pour l'émission. Faire un tour dans les bases, vite fait. La Torreyron, il n'y a plus rien, ça on le savait. Moron. Alors on a des harpoons qui se précisent, mais c'est pas encore fait. Un harpoon dans 26 minutes. Et j'avais opté finalement pour une frappe. Pour une frappe navale sur les deux bateaux. Les deux bateaux qui sont là. Là. Je vais attaquer avec mon groupe porte-avions. Là, on est plus très loin du. Lui, il est un peu vieux comme contact. Par contre, lui, il est toujours là. Par contre, je vois pas mes missiles armes qui disparaissent à chaque fois. Hein. Mais bon, à moins qu'ils soient à rota, on va aller voir tout de suite. J'ai fait monter des missiles armes. Ou alors, c'était sur le porte-avions. AIM, Hornet et arrière. Là, j'ai deux arrières de libre. Tout le monde est monté en AIM. Et eux, ils sont en AIM léger en plus. Hein. Et ben, c'est où est-ce que j'ai fait monter des armes? Et ben, c'est pas là. J'avais demandé à monter des missiles armes, des AGM 88. Eh ben, je les vois nulle part. Hein. Ben, je suis sûr que j'avais mis des AIM, des armes missiles pour les radars. Et là, il arme en standard cap, quoi. Ça va pas, ça. Bon. Lui, le Hornet. Ah ben non, là, j'ai pas pu le mettre en arme, il n'y en a pas. Je vais le mettre en heavy patrol parce que avec 6 AIM. Ça fait 3 heures, il était prêt, mais je vois qu'il y a du monde quand même de près. Et eux. Et eux non plus, j'ai pas pu les mettre, donc ça pouvait pas être à rota. Donc s'il n'est pas à rota, à Moron. Ah ben, non, Harpoon. Harpoon, Harpoon, Harpoon. Heavy. Heavy, Heavy, Heavy. Harpoon. Est-ce que eux, j'aurais pu être monté en arme? Et ouais, parce que là, il y a des AGM. Et voilà, là, on a les AGM 65 et les 88. Tu vois? Search Enemy Air Defense. Il n'y a plus de harpoon là d'ailleurs. Et Maverick y en a. Et des armes. Donc s'il n'y a plus de. Attention, s'il n'y a plus de. Si, il y a encore des armes, ouais. C'est des harpoons qu'il n'y a plus. Donc les harpoons, là, dans 20 minutes, il va falloir bien les utiliser. Donc ce sera pour le tour prochain. Il y en a 1, 2. Qu'on va pouvoir utiliser le tour prochain. Il va falloir les utiliser parce que ils sont montés maintenant. Si je change et je mets des armes,
Ça va être 6 heures. Et si je mets des Mavericks, ça va être 6 heures aussi. Ah, du coup, je me trouve avec tous ces harpoons et j'en ai pas l'usage, a priori. Hein. Parce que le harpoon, il peut faire que des cibles navales. Et j'étais sûr d'avoir monté des missiles, des AGM 88, des armes, quoi, je sais plus comment, quel numéro c'est, 88. Alors, là, je peux monter 6 AGM Maverick, enfin 6 loadouts. Et les GBU, c'est les GBU, il y en a autant qu'on veut. Enfin. Là, je comprends pas ce qui s'est passé là, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que j'en ai pas un qui serait en l'air avec des missiles armes? Amram. Abraham. Abraham. Ah, le P3, le Orion qui rentre. Bon, ben je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ben de toute façon, les. Tu vois, c'est bien parce que regarde, il ramène ses... apparemment, il ramène toute sa flotte ici. Il veut me tendre un guet-apens ici. Et on l'attend de pied ferme. Et d'ailleurs, on va lui envoyer, avant d'être là, on aura, je pense, on va envoyer les premiers harpoons. Donc, il va se prendre une première saucée. Donc, on va garder le plan. Donc, ça, c'est le plus important, c'est que ces deux-là partent bien à la chasse de Smig 29. Toi, tu continues ta patrouille. Attends, alors, ils sont bien armés de d'Amram. Amram et Amram. Toi, t'es bien monté en Amram aussi. Amram. Toi, t'es l'élite. Et il y a toi, là. Toi, t'es le Falcon. T'es toujours en mission, mais à mon avis, il va pas tarder à faire bingo, lui. Et là, il faut continuer à se méfier. Il faut continuer à se méfier. Donc lui, je lui avais ordonné quoi déjà? Cruise et à périscope pour recharger un peu. Et l'autre qui est là. Toi, tu as cruise. Et on va te mettre à périscope que tu puisses recharger aussi un peu. Bon. Et là, alors là par contre, la batterie est bonne. On est à chalot, ce qui est bien. Ouais, ben on va. Toi, on sait ce que tu vas faire. Hein. On ne sait pas si on a le temps d'y arriver, mais on verra bien. On donne toujours l'ordre, c'est pas grave. Et lui, il s'est toujours pas posé. Alors, lui, on va essayer de gagner là, le théorème de Pythagore. Hein, plutôt que de faire des tours comme ça, on va essayer de prendre à peu près l'hypoténuse, comme dirait l'autre, pour aller poser notre commando là-bas. Depuis le temps, il va avoir des fourmis dans les jambes. Donc, shallow, donc on va se mettre à Periscope Death. Et on va rester à Cruise 4. Ça nous fait combien de temps pour arriver là-bas? Deux, trois.
24 nautiques. C'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça? Ouais. 24 nautiques. Donc, si on passait à Crouse, on serait à 8 nœuds et on y serait dans 5 heures. Time to go. 5 heures, 6 heures, pardon. Hein? 6 fois 4, 24. Donc, on y sera. Il est 8 heures du matin, on y sera à 2 heures de l'après-midi. Il aurait mieux fallu débarquer de nuit, mais bon. Bon, bah, ça me semble pas trop mal. On va quand même regarder le scoring, parce que là j'ai dû prendre quand même. Ouais, on est remonté un petit peu avec le sous-marin. L'arrière nous coûte combien? Faut faire le calcul là. 500, 510 moins 435, donc 70, j'en sais rien combien, 75. Et par contre, le bateau. Kilo sous-marin, kilo classe sous-marine. Ah, tu vois, on aurait pu le voir là directement ce que c'était. Et donc un destroyer et un kilo classe. Donc c'est les deux torpilles, les deux attaques que j'ai faites le coup d'avant. Les deux ont fonctionné, les deux interceptions étaient bien calculées et ont toutes les deux fonctionné nickel quoi. Donc ça nous a fait passer de 2100 à 2500. Malheureusement, on est redescendu à 2430. Lui, il faut s'attendre à prendre du. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en rime? 18 rimes, c'est les antimissiles, ça. Hein. C'est ce qu'on tire quand on est attaqué par des missiles. Quarante-trois rimes. C'est quoi ça? Enfin, c'est MK46, c'est de la torpille. Ah non, c'est quoi? C'est l'anti-sous-marin. Ouais, c'est un sorte de torpille guidée. Et ah oui, mais c'est bien ça, dis donc. 10 nautiques. Sinon, on a 15 rimes. Et lui, est-ce que j'ai regardé ce qu'il avait? 29 rimes. 66. Est-ce qu'il en a 66 E? Ouais. Lui, il en reste 29. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est quoi ta trajectoire à toi? Toi, je veux que tu viennes ici. Et que tu ailles un peu plus. Full, ouais, full. Il faut que tu viennes couvrir un peu ici. Hein. Et toi, non, toi, il faut pas que tu partes en avant, mais il faut que tu partes comme ça. Et d'ailleurs, on peut te mettre à cruise. Hop, 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 c'est pas le waypoint, c'est l'unité que je veux mettre à cruise et à periscope desk. Alors on peut le mettre un peu à full. C'est dangereux ça. On va le laisser à cruise. Bon, bah ça me semble pas mal. Il n'y a que cette histoire de réarmement des missiles à Moron qui m'inquiète terriblement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, quoi? Est-ce que j'ai abandonné l'idée? Je me souviens plus, il faudrait que je reprenne la vidéo précédente. Lui, c'est même pas la peine d'y penser. Donc on n'a plus d'Orion là. Bon, allez, c'est parti. On va mettre ça sur x5. Go. On va mettre moi x15 parce que là il va pas se passer grand chose. Enfin, on attend rien. Ah si, il y a lui là qu'il faut pas perdre de vue ça. Ah, qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'il fait lui? Le MiG. Il rentre à l'aéroport. Oh les boules. Et là il y en a un autre qui sort. Ah ouais, ben il. Non, il rentre ou il fait quoi? Non, il rentre pas. On peut l'avoir. On va l'avoir. Peut-être, mais ça nous met. Ah non, il fait demi-tour. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On l'a perdu. Ah. On l'a repris. Oui, il rentre à la base. Non? Eh oui, il rentre à la base. Ah, la poisse. Et lui, là, c'est lui qu'il faut aller chercher maintenant. Des F-16. Aïe, 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 deux F-16. Deux F-16.
Oui. Allez. Allez. C'est vrai que j'aurais dû augmenter le. Ah là là, j'aurais dû augmenter le tir. Je lui ai donné des. Non, ils peuvent tirer à 40 miles. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, abruti? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Tu as deux MiG tout beaux, tout frais, juste à côté, à portée de tir, et tu les tires pas. Oh là là, et qu'est-ce qu'ils font eux aussi? Ah, l'IA n'est pas super performante des fois. Hein. Oh putain. Allez, on y retourne. Allez, là, on va les choper, là, quand même. Qui c'est qui les a? Ah, et ils font demi-tour eux aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas possible. Allez, là, on est à range, là. Il va nous tirer dessus. On va à la même vitesse, il fait demi-tour. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'à quoi ils jouent, là, tous les deux? Ah, mais c'est pas possible, un truc pareil. On aurait dû avoir un beau combat aérien, mais que dalle là. Il revient, lui. Il a une toute petite zone de patrouille, lui. Et moi, je sais pas ce qu'ils font, les miens. Toi, il a une toute petite zone de patrouille, il va. Alors que nous, là, on est carrément aux fraises. Bon, je vous rappelle que pendant les tours de jeu, j'ai pas accès, je ne peux pas donner d'ordre. Il faut tout préparer à l'avance. Il faut que je change l'ordre de tir. Il faut que je me remette à distance maximale pour les armes RAM. Alors, est-ce que ce coup-ci, ça va faire? Est-ce que ce coup-ci, ça va faire? Non, on va. Ah, si, on va. Est-ce qu'il va rentrer dans notre champ? Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. C'est. On se. Ah oui. Bah là, tu les as chopés, là. Victoria, 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 Victoria. Esquadrilla 5, c'est quoi? Putain, mais c'est pas possible, quoi. On n'arrive pas à aller. Mais si, là, normalement, c'est bon, là. Mais non, on les a plus, on les a perdus de vue. Ah, ça y est. Allez. Allez. Allez, ce coup-ci, on tire. Allez, c'est bon, ce coup-ci. Allez, go. Maintenant, 30 miles. Allez, c'est bon, on a décoché des. Et lui aussi, il a décoché. Alors, attention. Poum, on a eu les deux. Ouais, putain, génial. Génial. Deux F-16. Deux F-16 à mettre au tableau de chasse. Génial. Génial, génial. Waouh. Ah, là, je suis content, là. Alors, attention, close. Ah, c'est génial. Donc, c'est quoi tes ordres à toi? Tu es sur Air Sup Sud. Ouais, mais tu étais au sud de la patrouille. En fait, il patrouillait dans sa région toute. Bon, c'est un peu dangereux quand même d'être là. On va se remettre un petit peu plus au nord. Et toi, on va te. Ah, je suis content, les gars. Vous m'avez fait peur, hein, mais c'est bien là. On va lui donner des allers-retours comme ça. Vous êtes armé de quoi? Il vous reste 4, c'est-à-dire 2 chacun, c'est ça? 2 et 2. 2 et 2. 4. Ouais, c'est bon. Et ça. C'est l'arrière, il en a deux, deux AIM, et il va où cet arrière? Ah non, ça c'est le jammer, ça. Ah, il y a un trafic là-bas. Ouïouïouï. Bon, écoute, moi ça me semble quand même pas trop mal. Alors si, là on a des. Et si? On a des AMRAAM de près, là. Des harpoons, pardon. On a trois harpoons de près.
Le problème, il est que quel est le range? Quel est le range? Quatre cents nautiques, miles, 400. Donc ils sont à Morone. 400. C'est là. Donc là, il faut qu'il fasse un ravitaillement ici. Et la mission tanker. Elle est là. Donc on a vu que 400. Ça amène jusque-là. Donc si on va là, là c'est le point de bingo. Donc comme c'est le point de bingo, ça veut dire qu'il aura utilisé la moitié de son, il aura utilisé la moitié de son carburant. Donc c'est là qu'il va vouloir refueler. Et derrière, il lui restera un peu moins de 400. Donc c'est bon. Donc il faut faire un fuel à l'aller et un au retour. Donc si on fait une, on fait une, on va essayer de faire quoi que. La simplicité, ce serait quand même de ne pas aller risquer les avions, d'attendre les gars, on n'est plus très loin là. Hein. On n'est plus très loin. 26, 26, on voit. Ouh là là, lui, il a eu des gros, il est en feu. Le Navara, il est en feu, il a gros des gros dommages. C'est pas au niveau des montres, c'est au niveau du acide magasin MK36. Ah bah oui, mais bah c'est pas bon ça. Et là, au niveau des senseurs, ECM, TACTAS. Et il peut plus opérer ses hélicos. On va faire une mission de frappe quand même. Admin mission. On va appeler ça STK pour strike sud. Allez, on va appeler ça strike sud. Strike. Naval strike. Ok. Et là, il faut qu'on mette les trois. Les trois F-18 qui ont des harpoons. Donc toi, ah oui, alors on va changer ça. Trois aircraft typical for bombers, ça tombe bien. Et là, harpoon et harpoon. Et surtout, alors. Use tanker assigned to specific mission. C'est one. On a besoin d'un tanker prêt. On station. One. Et là, on veut chercher. On va mettre à 55. Parce qu'on a vu qu'on serait bingo à la distance. Donc bingo, c'est la moitié. Donc à peu près 50, 55, c'est pas mal. 50, on va mettre 50%. Et on va mettre la Tanker Follows the Cyber Fight Plan. Comme ça, ils viendront vers nous. On va essayer ça comme ça. Voilà. Alors si je reprends la mission, on a bien les deux gars à couler qui sont là.
Alors en plus, ils sont bien équipés de AMRAAM, donc ils peuvent en faire en plus faire de l'anti-aérien. Alors, off-axis attack. Ouais. One time only. Ouais. Bon, ben, on verra bien si ça marche ou pas, hein. On risque pas grand-chose comme ça parce qu'on va reprendre les manettes dans 30 minutes. Donc, dans 30 minutes, ils y seront pas. Donc, ça fait un test en fait. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on est mal parce que le Navarre, il a vraiment pris cher, quoi. Donc le Navarre, il faut que je le ralentisse, quoi. Il faut que je le creep. Alors que les autres, toi, alors je vais, pour être sûr, je vais mettre que l'ascenseur du... Ouais, donc toi, t'es bon. Et toi, t'as bien tes ordres d'attaque, ça va. Et toi, tu es bon et tu as bien. Alors toi, tu peux accélérer un peu. Toi, tu vas aller full sprint and drift ou pas? Suis pas sûr de l'effet de sprint and drift, donc je vais pas le mettre. Et par contre, le porte-avions, j'aime pas te savoir là comme ça. C'est incroyable, j'aime pas te savoir là. Donc lui, donc toi, tu vas aller jusque là et de là, tu prendras la tangente par ici. Voilà. Voilà. Et toi, tu es en bonne forme. Tu as, par contre, t'as pas de range d'attaque, hein. Tu peux pas faire du surface weapon, t'as rien du tout quoi. Eh ouais, t'as rien. Alors que t'as des harpoons. Oui, c'est ce que je voyais déjà l'autre fois. Y a un truc bizarre là. Je sais pas pourquoi. Tu as des harpoons, donc normalement, il n'y a pas de problème. Tu devrais pouvoir tirer, quoi. T'es pas endommagé, y a, y a... Oui, patrouille là, ça c'est pas génial. On va plutôt les laisser faire comme ils veulent, eux. C'est-à-dire que je les mets là et après ils iront patrouiller où ils voudront. Bon. Huit heures 29. Bon, bah allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Juste pour le plaisir. Falcon. Ah là là, ça me fait plaisir, quoi. Deux petits Falcon. C'était pour le arrière, là. C'était pour le arrière. Average. Bon, allez, go. C'est la fin de tour là. Bon bah les gars, merci d'avoir suivi. À bientôt pour le prochain tour. Ciao.